Bonjour les célibataires! Ferme ta lâche gueule, tu pute de la merde là! On est célibataire, où est ton problème? Tu ouvres ton gros bouche pour embrouiller les gens? Sogremol là! Oui. Ça veut dire que c'est toi qui m'as provoqué? Vraiment? C'est quoi ça? C'est ta bouche! M'a agressé là-bas en haut! Me dépouiller jusqu'au Pays-Bas! Retirer! Hey! Quoi? Me dépouiller jusqu'au Pays-Bas! Continue! Retirer tout ça, enlever un côté de mes seins et lancer dehors! Alors, hein? Soulevez le couteau sur moi! Godness! Allez, fuis! Quand je veux, je détends le marathon, je comprends qu'un côté des seins est dehors! Avant que je reporte, je mets dedans! Vraiment! Comme je vous le dis là, j'ai déjà tant vécu! Quelle déception, vraiment! Quelle déception! Ouais! Ah, c'est à la mer! Ça va aller! Encore, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition de Tenue du Code. Oui, c'est la tenue du Code, comme je le dis toujours à la coutume. Pour celui qui veut mettre ses organes là, pardon, qui passe seulement comme un taxi, parce que ce qui concerne les retours là, je ne suis pas moi responsable. Moi, les retours là, nous, ça ne me concerne pas. Parce que le genre de commentaires qu'on tape, c'est tous les commentaires des Manchum Ton Quartier. Oui, les commentaires des Manchum Ton Quartier, c'est le genre de commentaires qu'on tape ici là. Comme ça fait un bon bout un peu. Bon, excusez-moi toujours, et aujourd'hui je vous réveille encore avec un cas. Et puis à certains temps, quand tu tournes la tête, tu demandes que telle personne est quoi, c'est manque qu'il est au Canada. Tu fais au petit pas, car Canada, au moins le Canada, c'est devenu une définie pour comment je comprends tout le monde, c'est seulement que la route du Canada. Bon, il semble que certains gens qui partent même, ils ne savent même pas comment ça se passe là-bas. Moi, je vais essayer de vous faire le support de ce qui se passe là-bas. Vous écoutez un peu la vidéo, cela. En passant même pour celui qui est nouveau, il faut t'abonner. Pour celui qui est déjà ancien, là, partage la vidéo et puis tu reviens. Qui est? Ça c'est quel pays ça? Tu es dans un quartier là, tu ne vois même pas voisin pour le saluer. Ça c'est quoi ça là? Hein? Regardez comment tout est vide comme ça. C'est-à-dire que chacun est chez lui. Tu as l'impression qu'il n'y a personne dans le quartier, mais chacun est chez lui. Hein? Hein? Vous êtes là, vous ne vous saluez pas, il n'y a pas causerie entre vous, chacun est chez lui à la maison. Mais là, quand c'est comme ça, si tu es malade chez toi là, comment les voisins peuvent savoir que toi tu es malade? Souvent là, au moins tu peux préparer, tu viens taper la porte du voisin, voisin, j'ai préparé un peu, viens on va manger, mais voilà, c'est-à-dire que dans le quartier là, chacun est chez lui, hein? C'est la même là. Tu te vas taper même pour dire coco, il va te demander à quoi, tu dis non, c'est pour te dire bonjour. Il peut appeler la police même contre toi pour ça. Ça, c'est quelle vie ça? Tu parles pas à un mec. Vous êtes dans le quartier. Vous déplacez comme ça. Il n'y a même pas quelqu'un qui dit bonjour à son ami. Après ça, après, vous allez dire non. Je suis déprimé. Mais c'est normal, tu vas déprimer. Tu vas déprimer. Parce que tu ne causes pas. Tu ne parles pas à quelqu'un. C'est nous en Afrique même là. Tu te réveilles le matin, tu n'es pas parti saluer le voisin. Le voisin peut te convoquer chez le chef du village juste pour te demander les comptes. Pour dire, voisin, je t'ai fait quoi? Depuis on est là, là, tu ne passes pas me saluer. Ça, en Afrique, c'est comme ça. Ça, c'est ça qu'on appelle la chaleur africaine. Chaque fois, il y a des maladies bizarres là. Nous, on n'a pas ça là-bas. Mais ici, là, voilà. Voilà des gens. Chacun est chez lui. Lui, il sort, il s'en va. Il s'en va au travail, il revient le soir. Tu ne sais pas si ton voisin va bien. Tu ne vas même pas te renseigner pour savoir comment il a passé sa journée. Rien. Rien. Vous voyez ça? Vraiment, les Blancs. En tout cas, votre façon de vivre là. Moi, en tout cas, je ne suis pas habitué à ça. Hein. Je ne suis pas habitué à ça. Revoyez ça. Parce que si ça continue comme ça, moi, je retourne en Afrique. Hein. Ça, je vous dis ça. Voilà. Même ils sont là, même il y a même. Tu demandes même, ton voisin s'appelle comment? Moi, mes tuteurs là, je leur demande, mais. Filme-moi ici. Je demande à mon tuteur là, mais ton voisin il s'appelle comment? Il dit, moi je ne le connais pas. Je dis, mais ça fait combien de temps vous vivez ensemble ici? Il dit, ça fait près de 5 ans. Je dis, mais tu ne connais pas son nom? Il dit, est-ce que moi-même je le connais? Je ne l'ai jamais vu. Comment tu peux vivre à côté de quelqu'un et puis tu ne le connais pas? C'est ce qu'elle vit ça. Vraiment. Votre Canada là. Et vous voyez ça, hein? Vous avez écouté, non? Donc, vos histoires que vous aimez souvent rester, que parlant aux voisins, donnez un peu le sel, parlant aux voisins, donnez un peu le cube, parlant le social là. Et vous rappelez qu'il y a le social, n'hésitez pas là-bas. Donc, si tu pars là-bas, ben, tu pars pour communiquer sur quelqu'un là-bas. Tu vas lire. Donc, toi, tu as vu,
lui-même vous a monté. Toi-même, tu vis par là, tu travailles, tu sors chaque matin, tu le connais, tu as fait pratiquement 5 ans même là-bas, tu ne connais pas le nom de ton voisin, tu ne connais même pas qui est ton voisin, mais vous êtes là, vous êtes dans le même quartier. Donc, le social là, ça n'existe pas. Donc, ne pensez pas que c'est l'histoire, ben, tu vas arriver, tu vas commencer à dire que, ouais, voisin, oh, comme tu vas, oh, tu vois, histoire qu'on fait ici en Afrique, oh, à tout moment, je veux, ça n'existe pas là-bas. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Donc, pour celui qui a des aventures pour aller là-bas, là, faut savoir que toi-même, tu parles là-bas, tu comptes chez toi-même. Pas sur quelqu'un. Sur ce, portez-vous bien.